Nkatwe n'abakuru buriya jenoside ntabwo yabaye impanuka yarateguwe kandi abantu barimo bapfa kandi aribo bari guhigwa hahigwaga abana b'abatutsi cyangwa se umututsi wari we wese abana bo kangarambe icyo banziho nyabureka iyo baza kureka ntibabajyane ngo babishyike mubw'abana nubwo mbaheruka. Je dirais que ce nouveau film est né à la suite d'un premier film en 2005. En 2005, la situation du Rwanda était la suivante. Je veux dire, il y avait près d'un million de personnes qui devaient s'expliquer de crimes de génocide. Et avec la justice classique, ça aurait pris près d'un siècle. Donc, ce qui n'était absolument pas possible. Et les Rwandais ont eu l'idée absolument éblouissante de retrouver dans leur culture des choses qui avaient été détruites par la colonisation belge, de trouver une solution dans leur propre culture. Qui s'appelaient les tribunaux Gacaca, la Gacaca. Et à l'époque précoloniale, la Gacaca n'avait pas pour but, c'était un tribunal, mais entre les sages du village, et qui n'avait pas pour but de juger des crimes de sang. C'était juste les problèmes civils, problèmes de vaches, de parcelles, etc. Et les Rwandais ont repensé à cette Gacaca, ils l'ont remodernisée, c'est-à-dire qu'ils l'ont totalement transformée de façon très très sophistiquée pour juger un crime de masse, en délimitant différentes sortes de crimes, en créant des instances d'appel, etc. Dans tous les villages du Rwanda, ils ont élu des juges Inyangamugayo, des juges intègres, qui devaient juger les criminels du génocide. Et c'est ainsi qu'ils ont réussi à vider le contentieux d'un million de personnes qui devaient s'expliquer de crimes de génocide. C'est absolument majeur dans l'histoire de l'humanité, c'est jamais arrivé. Et donc, voilà, en 2005, j'étais là pour filmer ce processus. À l'époque, en 2005 aussi, il y avait quelque chose de vraiment très important dans les rapports entre l'Occident et le Rwanda, c'est que l'Occident, je me souviens, la coopération technique belge, par exemple, parlait de, ça ne s'est pas dit comme ça, mais il y avait comme une forme de chantage, en fait. On disait, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de justice? Réconciliez-vous d'abord. Et vous allez remettre des problèmes dans les problèmes. Et les Rwandais disaient non, pas du tout, nous sommes souverains, nous savons ce qui est bon pour nous et on veut mettre fin à la culture de l'impunité. On veut que chaque être humain, parce que ce n'est pas un crime de tuer un Tutsi depuis 59, on veut que chacun entende que c'est grave et que ce n'était pas juste. Et nous, on veut juger tous les criminels du génocide. Et les questions de réconciliation, elles viendront plus tard, elles viendront après la justice. Et donc, plus ou moins après le Covid, et j'en viens enfin à répondre peut-être à la question, bien à ce moment-là, je me suis dit, tiens, est-ce que justement ces questions aujourd'hui de réconciliation, d'unité, de résilience, maintenant que la justice est passée, maintenant que les tribunaux Gacaca sont terminés, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui la bonne temporalité pour se poser ces questions-là? Et c'est comme ça qu'est né le film. Je pense qu'à l'époque, parce que bon, ce premier voyage avait 20 ans, je pense que j'étais assez intéressé par ces Gacaca pour des raisons, sans doute des raisons très personnelles et intimes aussi, à savoir comment on remet de la parole à la place de la violence. Donc, de ce point de vue, ces Gacaca sont, comme tous les processus de justice, sont absolument universels et puissants, et ça m'intéressait. Et évidemment, ici, c'est une violence d'une toute autre nature. C'est pas une violence domestique, privée, occidentale. Ici, c'est la violence dans le génocide, c'est tout autre chose. Mais l'intérêt, il y avait un intérêt intime aussi. Oui. On reste sans mots, 1 million de personnes exterminées en 100 jours. Donc voilà, donc la question c'était comment rendre ça charnel, incarné pour les spectateurs. Et donc moi je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il faut partir par le petit, entre guillemets le petit. C'est-à-dire que moi j'ai décidé de me concentrer sur uniquement, c'est pas du tout un fait divers, hein. C'est un des cas du génocide dans le village. Et donc je me suis dit, je vais me concentrer sur l'extermination de 3 enfants, Fidéline, Olivier, Fiacre. Déjà, c'est assez... leur cas est intéressant au-delà du fait que c'est 3 enfants et que le génocide se marque dans sa clarté parce que c'est des enfants. Mais au-delà de ça, ils ont été exterminés par tout le village et ils demeurent aujourd'hui... un de certains crimes qui ont abouti à peu de vérité et peu d'enquête. Et donc je me suis dit, je vais travailler sur le petit, je vais travailler sur l'histoire de ces 3 enfants,
avec lesquels j'avais, c'est vrai, pas grand-chose, hein, puisque là, génocide, c'est pas seulement l'extermination physique, mais ça se double en plus d'une extermination existentielle, culturelle, etc. On détruit les photos, on détruit les registres d'état civil, on détruit jusqu'à même l'existence même de ces enfants. Et donc j'avais à la fois peu de choses et beaucoup de choses. Donc j'avais peu de traces iconographiques, je n'en avais aucune. Mais en même temps, j'avais les gens qui les avaient aimés et j'avais les gens qui les avaient tués. Et donc l'idée est née comme ça de faire un film à travers la parole de, à travers aussi la parole des autres qui les ont connus, et de tenter tant que faire se peut de raconter leur histoire et leur trop courte vie. Au niveau de la réconciliation, il y a au moins trois personnages différents dans le film. Une personne qui dit « je n'ai pas envie de pardonner, j'ai plus envie qu'on me parle d'eux » et je veux dire « ils ne m'ont pas parlé ». Il y en a une autre qui semble nous dire dans sa parole qu'elle a pardonné, mais son corps semble nous dire tout l'inverse. Et puis on a Jean d'Amour qui se retrouve en situation de pardonner la personne qui a, Félix, qui a tué les enfants de Jean d'Amour et qui nous laisse sans voix. Et je dirais qu'il y en a encore même, dans la gamme des gris, je dirais qu'il y a encore d'autres personnes qui ne sont pas dans le film et qui ont quitté le village et qui habitent à Kigali et qui ne veulent plus revoir tous les jours leur bourreau. Et je dirais, voilà, on est face à une gamme des gris, face à une complexité. Et moi, je ne dirais pas que c'est un film sur la réconciliation. Je veux dire, moi, quand j'ai abordé cette partie, j'avais en tête une phrase d'un philosophe qui s'appelle Emmanuel Levinas, qui disait « En matière de pardon, personne n'a à se substituer à la victime. » Et Levinas rajoute « Pas même Dieu. » Et moi, je pense que tous les rescapés ont fait le pardon, la réconciliation, sont vraiment des processus complètement intimes, individuel, je dirais qu'il y a autant de voyages qu'il y a de rescapés et qui sont parfois très très différents. Et je pense qu'il faut juste en silence les accepter tous et les regarder tous. Pensez na rwose ndabakizwa n'iki ariko barapfukamye imbere yanjye ndabibakondira cyane iyo mbyibutse iyo nibutse icyo gihe numva mbakunze cyane barapfukama bakiri nkariya bataranyegera bamanika amaboko barambwira bati rwose karera tuje kumusaba imbabazi ntabwo nihanganye nararize ndababwiza ukuri kubabarira n'impano sinzi ko ari ibintu umuntu yakwihatahatamo ngo apfe kubigeraho n'impano ariko barapfukamye bararira nanjye ndarira imirimo nakoraga nahise nyita turazana ndabakira ndabaganiriza mbabwira ko mbababariye kandi igiteka ryose no